Mecha Dragon Pirate qui sont pas dispo. Probablement Milouz. Milouz est fort actuellement. Xyralabia aussi. Je préfère Yamilouz peut-être à cause des élèves qui sont dispo. Go. Merci Kumiko. C'est gentil, merci à toi. Ok. Je peux garder mes gemmes. Genre, je peux pas perdre avec ça. Je vois pas de scénario où je perds, non? C'est trop fort, toi. Ok. Je vais pas freeze ça. C'est pas horrible, mais. Pourquoi pas avoir une paire? Pourquoi pas aller chercher un acolyte que j'adore? Pourquoi pas aller chercher du token? J'aime bien Milouz en ce moment. Parce que. Tu peux aller rapidement à C4 avec un board full et après ça peut être vraiment débile avec même l'Ospace actuellement, je trouve que c'est toujours ok avec lui. La 4-5 et elle. J'adore les cartes vengées, je trouve vraiment ça très très fort quand tu peux avoir ce genre de setup. Genre préparer un setup pour profiter de venger. Et au passage, je peux essayer de profiter d'un setup de triple. C'est pour ça que les serviteurs qui peuvent. Enfin, les héros qui peuvent jouer un peu plus taverne A, je trouve ça vraiment fort actuellement. Je vais pas jouer mes gemmes. Je vais pas peut-être les jouer, non. Du coup, il joue quoi? Ah, Uran, on peut mettre ça devant. Bref, non, pas vraiment, parce qu'on peut même augmenter les dégâts. Ouais. Je prise pas ça. Continuez comme ça. Du coup, ouais, tout ce qui est Micromomie, j'aime beaucoup. Acolyte, j'aime beaucoup. Diablotin, pareil. Faut qu'il tape là ou là. Ok. Hop, late. Fait chier. J'ai pas envie de roll ici, je veux pas roll. Je pense que je vais acheter ça. Dommage, je n'ai pas eu de token, c'est vraiment très très chiant. Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. Vous vous débrouillez vraiment bien. Peut-être perdre des HP ici, mais ça me fait chier de claquer mes gemmes. Je pense pas que ce soit bon. J'aurais bien voulu. Sur le dernier roll là, j'aurais bien voulu chat, j'aurais bien voulu Murloc, j'aurais bien voulu l'élème que j'ai pas eu. À la limite lui et lui. Mais j'ai pas touché. Ouais. On va voir Autumn pour ce qu'on veut faire après avec les 4, c'est plutôt pas mal. On va pas être board full vu qu'on a pas eu de token. C'est pas dramatique. Mais c'est quand même très chiant. Parce que la prochaine tour, je vais up, vendre et acheter. Mais bon.
Il peut être fort. Ah, vas-y, fuck. Je vais devoir passer deux tours avant de jouer après, donc je vais mettre les gemmes, tant pis. Je l'aurais pas mis si j'avais fait un très bon tour ici, mais encore une fois, c'est un peu léger. Sacré bestiaux là. À gauche, à gauche, à gauche. Nice. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. On va vendre ça. Prendre ça. Pour chaton, hop. La chatte. Comment ça, la chatte? J'étais ultra devant. J'étais à 66%. Il avait 21% de me battre. On a fait égalité. Comment ça, la chatte? Je pense pas avoir volé la game. Hein. J'adore trop les vengeances. Même elle, comme je dis, c'est encore ok, je pense. Elle est insane avec Milouze. Et... lui est cool, l'Argus est cool. Genre là, je cherche trop de cartes quand je suis 4. Je cherche ça. Je cherche ça. 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 Lui. Argus. Elle. Et est-ce qu'il y a des 3 que je cherche? Le fermier est pas mal, mais... je veux pas jouer avec sur cette game. Je veux faire de l'écho là. Ouais. Tellement fort, Muse en early. Il a la sauce, lui. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Fuck. Y'a pas mecha. C'est bon, mais je pense pas que je joue avec. C'est bizarre, mais c'est pas du scaling. J'ai besoin de hop. C'est difficile là de les refuser, mais... Ça me permet d'avoir de la tempo sur mid game. Ce que j'ai globalement déjà. Bien que je vais peut-être perdre ici vu que j'ai hop et pas lui. On peut mettre ça devant à cause des potentiels boucliers divins. Mais pareil, freeze, c'est compliqué parce que ça me nique un peu le tour. Et moi, j'ai besoin d'aller chercher triple là ou les autres cartes. C'est bien, mais je cherche mieux en gros. Ok. Non, je freeze pas. Vous êtes en tête, c'est dans la poche. Faut que je vende A. Potentiellement 2-3 si je touche pas. A triple. Comme prévu, je suis derrière ici. Pas le meilleur hit ça. Moins 10. Dur combat. L'important, c'est de vite se remettre en selle. Je vais piquer ça. On dirait que vous pouvez obtenir un nice. Gagnant.
Nice, nice, nice. Ouais. Si j'ai le démon, il vaut mieux que je commence par ça et que je booste ça, tant pis. Bran avec la sorcière, go. Réussiront-ils à survivre au cercle de la mort? Ah, je vois ce que vous voulez faire. Prends ça en main. N'approchez pas de ces œufs. Qu'est-ce qui va bouger? Ah, peut-être. Après, je peux bouger eux si j'arrive pas à toucher, lui aussi évidemment. Je pourrais juste virer eux deux en soi. Pour essayer de garder de la value par rapport à la sorcière, mais ouais. Le truc, c'est que là, il va me falloir plusieurs types de serviteurs pour profiter de lui avec Bran. Donc à la limite, je peux quand même garder cet élément là, même si je suis pas trop fan. Même si on pourrait toucher mieux. Bête, Hydre, Savane. Démon, LM, Murloc, Curan. Ouais. Let's go. Mon dieu. Ok, go trouver une bête. Oh, Bonuran. Ah non. On peut essayer de tripler, on peut avoir une meilleure bête. Ok, ok, ok. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir? Ok. Lui avec l'autre. On va up. Hein. Ils ont sans doute besoin que je leur inflige quelques douleurs supplémentaires. Voyons si vous parvenez à rester. Not bad. J'ai peur de trop le défoncer, mais... Sorry, quoi. J'aimerais bien up 6 pour Amalgadon. Ah, putain, il meurt pas, ce con, fait chier. Go up. Go up, go up. Ça sert à rien. Oh, la paire sur Bran. Je prends
pense que je vais mettre la Gaule. Ouais. C'est une sacrée armée que vous formez là. Ok, je suis quand même méfié dans le cleave, mais bon. Bon, il faut qu'il tue du board par contre. Bon, on va récupérer au moins une carte. Vas-y, ils sont trop nuls. Je suis à 26 et je les fume quoi. Vous vous débrouillez bien. Tant pis, je vais le tourner, je m'en fous. Hein. J'ai le pic, j'aimerais bien tripler et avoir des amalgadons de toute façon. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Ouais. Bon tour de merde. Je vais le taunt. Genre. Pour du pillard, ce serait insane. Faut-il encore qu'il le one shot de toute façon? Et de toute façon, je pense être plus fort que lui. Lui, je peux le virer éventuellement, hein, mais... Là, je cherche à avoir Bran doré. Pourquoi pas triple là-dessus. Amalgadon, l'LM découverte. Lui. Pas mal d'autres cartes, des théières, tout ça, quoi. Il risque de cleave, mais bon. On est devant. Après, si ça peut un peu fight et que je récupère 4 cartes, moi je dis pas non. Hein. Nice ça. Un murloc. On pourrait l'utiliser hein, parce que vraiment le démon il sert à rien. Pas lui mais l'autre. Et comme ça, ça peut me permettre d'utiliser pour faire des découvertes pour essayer de choper des amalgadons. Parce que mon but c'est de faire un board full amalgadon en vrai. Là, c'est une sorte de board de transi en vrai. C'est pas ce que je veux garder. Ok, ok. On se fait casser la gueule, mais on récupère masse carte potentiellement. Ok, ok. À gauche, encore une carte, please. Nice. Oh, le chef. Ça sert à rien. Ça, ça peut être utile. Ça, bon, on prend hein, sur le celui qui file des HP. D'ailleurs, si on peut le tripler, il pourrait être cool le démon poids de vie là. Puis. D'abord, je roll pour Bran Doré, je pense. Il y a le murloc avec lui, ok. Après, on pourrait roll pour Amalgadon Instant, peut-être. Il bougera. Vous voulez une
J'aurais peut-être pu piquer le démon à la place, hein. C'était probablement mieux même. Le truc c'est que c'est bien de tenter la découverte avec lui, mais si je trouve directement un amalgadon doré, c'est tellement broken. J'aurais peut-être pu prendre le démon en soi, hein, vu que j'ai deux autres. Après lui je veux le bouger. Pour rentrer Murloc et faire des meilleures découvertes, mais j'en vois aucun. Genre pareil, ça sur Murloc découverte c'est tellement broken. Donc c'est un peu con de le claquer sur le premier Murloc que je vois quoi. Oh nice. Finalement, merci. Merci à toi. Ah, pas de deuxième. Ok, on va jouer ça, ça, on va virer le démon du milieu. Mazette. Je sais pas si j'aurai Murloc si je vire celle de droite, c'est ce que je vais faire, je vais la virer maintenant. J'ai de nouvelles recrues à vous proposer. Johan. Tac. Ah oui mais non, on sera quand même à 50-50, ouais. Ouais bon tant pis. Ça sera même pas à 50-50, mais bon, c'est pas grave, go. Non, l'amalgadon! Le démon HP, go. J'aurais pu virer un autre truc pour assurer, mais ça m'arrange pas trop. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Vous vous débrouillez vraiment bien. Ouais, je sais que je peux rajouter un Murloc, mais ça me faisait chier, mais j'aurais peut-être dû virer genre les lames. Je sais. Bon, j'aimerais le petit Bran doré. Et le petit Murloc, mais découverte ou amalgadon. Mais bon, on va voir. On s'adaptera. On va choper aussi un lanceur, et cool. J'hésitais à prendre Crotal, à demander ce que je refais à Max Nacrotal. Une fois, une goal pour lui. On est contre lui d'ailleurs. Une goal. Ah, j'ai pas envie de le tenter là. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Nice. Bon, je pense que je vois pas mon Bran doré, hein. Oh, j'ai menti, je l'ai. Je pourrais pas le pick. Ah si, je peux le pick. Juste ce sera pour le prochain tour quoi. Pas vu que je suis sur Nail, donc je peux pas jouer aussi vite. Si je joue vite, ça fait planter mon jeu, ça annule les animations et... Je suis obligé d'être un peu boomer sur mes tours pour éviter de, bah, d'annuler tous les plays que je fais. Mais bon. Fine, je pourrais aller chercher. Allez, fun ta game, ouais. J'aime bien.
Peut-être virer genre une des deux là. Et y aller plus en mode Murloc parce que les Ripop sont chiants au final. On meurt pas. Faut vraiment une goal. Ok, go jouer plus vite. Trop de trucs à faire là. Bête. Zap. Pi. Pourra virer lui. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Il a pas eu le bouclier divin? Oh fuck. Goal triplé, tant pis, il a pas eu le bouclier divin. Faut que je joue plus vite. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Non. Ça devient compliqué là. Je pense qu'il est en train d'essayer de me mettre le 34x3 là. Ça dépend où tape le poisson. Genre dans Bran à droite c'est bon. Soit démon c'est bon. Ok. Je pense que ça c'est plutôt à mon avantage. Ça c'est chiant parce que du coup c'est Max Snack qui rentre dedans. Oh ouais, poids de vie, ça c'est cool. Lui il va mourir. Ok ok c'est bon. Quoique. Parce que lui il a quoi au hip hop? Ah oh, terrible ce trade. Il a quand même les rip-hop de merde, hein, il me baise. Hein. Il a ses... Ah mais il en a qu'une. C'est égalité. Il en a qu'une, non? Ok. On attaque le mort. Il me faudrait une goal pour Georges. Et contre lui, il me faudrait... Un autre amalgadon, déjà. On verra, on verra. On peut la tripler pour essayer d'avoir le... un autre amalgadon. Ouais. Après là j'en ai déjà pris 4 hein, si j'ai pas de conneries. Zap Golden. Ouais après je peux prendre des gemmes pour lui, hein, contre lui. Ça dépend qui je tag en fait. Ça dépend. Je prends ça, si jamais c'est lui qui gagne, il faut que je roll pour la gold, donc ça me fera 2 gold en vendant 1 à 2 de toute façon. Ok. Lui, j'ai juste besoin de la gold et je l'attrape, je pense. Après, bon, je perds ça et ça quand même. Lui, il faudra le bouger aussi. Il faudrait bouger 1, 2, 3 potentiellement. Héroïne qui rentre. 1, 2, 3, 4, 5. Vyford à ce moment-là pour être intéressant avec Heroine ça et l'autre. Putain, on a beaucoup de choses à faire là. Continuez comme ça. Peut-être que je perds contre lui, mais. Je me sentais devant, yep. Après il est big, hein, il avait des amalgadons aussi lui. What the fuck cette game.
Le démon est mieux que les lames. Le démon donne beaucoup de points de vie. J'ai besoin de la faux là. En vrai, il peut gagner le fish, ça me choquerait pas. Ouais. Du coup, on joue George, mais ils sont pas morts, c'est chiant. Il me faut une goal. Ouais, juste roll pour la goal. J'ai envie de pick ça pour après, mais mauvaise idée. Alors, les runes, je vais quand même la prendre, père. Ça, je peux pick, c'est des goals gratos. Fuck. J'ai un zap pour moi, de toute façon, ok. Le problème, c'est que j'ai trop de cartes ici. Ah oh, putain, j'ai du pour le loan, c'est pas grave. De ghoul. J'ai pas envie, j'ai envie de garder ça pour après. Juste placer peut-être deux héroïnes pour se péter les shields. Le problème c'est s'il y en a une qui file le truc à l'autre. Probablement que je mets juste une toxie. Une goal souhaitait plus simple. Ça c'est pas mauvais pour moi du tout. Sauf si ça proc sur l'héroïne. Ça c'est dommage, fallait taper ici. Je mets un amalgadon devant parce qu'ils ont des plantes hein, pour que les plantes puissent potentiellement péter les shields. Ok, parfait, on va pouvoir péter un shield. Ça c'est chiant. Et là potentiellement ils tapent justement dans les plantes et ça mettrait ultra bien. A gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Nice. Ok, je pense qu'on est devant. Ah, difficile à dire en vrai. Mais j'ai le rip-up de l'autre encore. Nice. C'est soit égalité, soit win. T'as pas droite, t'as pas droite. Nice. On peut faire zap doré, on peut... on va virer la toxie que j'ai à droite. Et on va faire zap doré ou... Le truc c'est que le zap il faudrait qu'il soit en 2. Et il faut que je le booste le zap. Voir qu'il soit doré. Mais il faut qu'il soit en 2 pour être sûr de pas taper dans ma Xna. Donc il doit être plus loin, il doit être en 2 le zap. À la place de ça, je pense que je garde ça. Déjà mon prend. L'héroïne on peut laisser, en vrai on peut laisser héroïne A. Ou alors, ouais peut-être qu'héroïne n'est pas si bien. En vrai garder une toxie, ouais probablement. Parce que l'héroïne elle risque de se faire proc par de la merde au début. En gros je dois le laisser un peu proc. Je pense. C'est qui vous traitez de petit? De toute façon, il mourra pas, lui il a CB, donc je peux faire ça, ça. On peut mettre ça pour avoir des plantes au fond. Vous êtes en tête. C'est dans la... Les plantes au fond, c'est potentiellement ce qui peut donner la win aussi.
Le problème de mettre Zap en A, c'est qu'il risque de taper sur une tentielle toxique haute et dans ce cas-là, je perds. Donc je préfère le laisser un peu snowball et ensuite on snipe lui normalement. Et dans ce cas-là, on est bien. Fait chier la tortue. Ah, c'est chiant. Fuck. On est quand même devant parce qu'on est big. On a snipé le Ara, c'est une bonne chose quand même. C'est pour ça qu'un Zap doré souhaitait le mieux. Hein. Il va être chiant le clan des rats. Les rats vont être énormes. Ils vont être très très gros. Faut qu'il tape pas. Ouais, de toute façon, il tapera que à droite. Aïe 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 aïe. On perd là. Ouais, dommage. Bien joué à lui. Une grenouille encore, encore bon. Après, il faut avoir vraiment un bon setup. Hein. Genre là, son setup il est vraiment monstrueux. Il a grenouille dorée, ara dorée, il a l'autre. Et puis bon, je suis devant en vrai. Hein. Je suis ultra devant. Juste late ont été mauvais. Heureusement que c'était nerf. Après, c'est vrai qu'il pense ça sérieusement. Le but des nerfs, c'est pas de tuer non plus une carte non plus. Enfin, moi, je suis content que la carte soit encore jouable, tu vois. Même si je perds ici. Je sais que c'est quand même beaucoup moins fort qu'avant. Là, ça s'est trop bien mis, la Enzot, enfin. Et encore, on est devant, quoi. Ouais, c'est ça, le proc de tortue qui m'a baisé, tout à fait. GG, le nerf de la grenouille qui sert à rien. Si tu le dis.